Hidalgo! Zerrax! Hidalgo! Zerrax! Hidalgo! Zerrax! Hidalgo! Zerrax! Hidalgo! Zerrax! On va se faire entendre et en espérant que ça porte ses fruits. On compte vraiment sur vous pour cette mobilisation et surtout pour le contrôle de soi. Merci à vous. À 15h débutera la séance. À ce moment-là, il faudra les empêcher de s'entendre. Ouais, le bruit que vous faites maintenant, il faudra le faire 10 fois plus fort tout à l'heure. Ouais, de 15h à 17h, c'est là que ça se joue. Aussi bien, pour chacun d'entre vous, c'est entre 15h et 17h qu'il faudra leur montrer qu'on est tous unis. Les gens qui prennent des décisions à votre place, c'est à vous, maintenant, de vous faire entendre. Donc gardez votre énergie autant que possible. Pas de débordement, pas de réaction disproportionnée. La disproportion, elle s'opérera après. Par respect envers tous vos collègues, je vous invite à rester maître de vous-même. Vous représentez aussi bien votre personne que vos collègues, à droite, à gauche, vos familles. C'est ça qui est important, c'est pour ça que vous êtes là. C'est tous les hommes à abattre. Doctolib vont entrer maintenant dans les locaux. Je vous invite tous à les soutenir. Vous dire que le sénateur des Hauts-de-Seine, qui s'appelle Philippe Pemzec, vient de saisir le président du Sénat pour obtenir une mission d'information, une sorte de commission d'enquête par les commissions du développement durable et des finances. Ils convoqueront certainement M. Bolloré, Mme Hidalgo, pour essayer de comprendre et surtout essayer de maintenir le service et pas faire que les communes de banlieue soient entraînées dans une catastrophe financière et dans une perte de service. Donc vous pouvez compter aussi sur cette enquête du Sénat. Merci. Et les couloirs de bus, hein. À tout cas, merci d'avoir été important. Jérôme, bonjour. T'es venu ? Dis bonjour à la caméra. Ah, Léopold. Oh,